selon moi. L'arbitre de la rencontre sera M. Sébastien Toutet, assisté de Salem Attala et Adrien Descôtes à la vidéo, parce qu'il y a vidéo, évidemment, sur cette finale de Pro D2. Ce sera Jean-Marie Pirabeau. Fortassin, la pénalité, le la gagne au bout du pied. Et c'est dedans. La Rochelle s'impose sur le fil. C'est à côté, c'est incroyable. Alors Fortassin était persuadé qu'il rentrait également. Tous les Rochelais sur le banc aussi. Hein. Tout le monde croyait, y compris le public. Je sais pas, sincèrement. C'est souvent le problème. Il y a beaucoup de stades où les poteaux sont assez bas. Finalement, on ne se rend pas compte, c'est très difficile, même avec toutes les images qu'on a pu voir, c'est vraiment difficile de se faire une idée. Donc, écoute, aujourd'hui, elle est anecdotique, donc c'est pas grave. Après, c'était un match qui comptait pas vraiment, mais on a retrouvé un peu tous les mal récurrents qu'on avait eu pendant la saison. Quand tu gagnes de 20 points à la mi-temps chez toi contre une équipe qui a rien à jouer, qui a rien à jouer, ouais, clairement, et que tu perds, c'est vrai que ça fait un peu chier. Pas peur, mais ça fait un peu chier quand même. On aurait aimé finir second, et en perdant ce match, on sait que cette deuxième place nous échappe. Voilà, on sent tout le monde un peu déçu, puis bon, c'est pas forcément le meilleur moyen d'aborder la demi-finale qui se profile le week-end qui suit. J'étais heureux aussi d'arrêter un petit peu le rugby parce que ça faisait 15 ans que j'en faisais. L'accumulation des charges, des traumatismes. Là j'ai pris goût un peu plus à la vie et à profiter un peu plus de ma famille. J'aurais aimé continuer. Mon objectif c'était de jouer à Marcel de Flandre avec la nouvelle tribune. Dernier match à deux fronts, mais voilà, j'espère que je crois que lui il est parti au meilleur moment et puis qu'il a profité de cette année. J'espère qu'il n'aura pas de regrets par rapport à ça. C'est des mecs avec qui on a une relation particulière. Franck a été capitaine du club la première saison, quand le bac au Tanguay, quand on était à la. Quand on est arrivé avec Fabrice, on était un peu sur une fin de cycle, l'équipe manquait d'identité, je trouvais elle était dans le flou, manquait un peu de valeur. J'avais pris le parti avec Fabrice de mettre Franck capitaine pour des choses très simples, voilà, puisque Franck est un joueur de devoir avant tout. Et le rugby c'est une affaire de devoir. Voilà. Par moment, il faut repartir de l'ombre avec des hommes de base. Il a énormément rendu service à l'équipe. Il arrive sur sa dernière saison. Beaucoup de pépins physiques qui s'accumulent, il joue un peu moins. Par contre, il s'accroche et la fatalité, c'est qu'il se retrouve. Il n'est peut-être pas prévu pour démarrer, il se retrouve à démarrer la demi-finale, la finale. Il finit, j'ai envie de lui dire qu'il faut qu'il mesure la chance qu'il a, parce que quand on joue rugby, on ne choisit pas toujours sa fin. La décision que j'ai prise avec lui de dire que c'était la dernière saison, elle n'a pas été facile à prendre non plus. Mais j'ai envie de lui dire que lui, la chance qu'il a, c'est qu'il a choisi sa fin. Et c'est là, de fin qu'il a eue, elle n'a pas de prix, parce que souvent on finit plus souvent par la petite porte que par la grande porte, comme il a fini lui. Et qui plus est, il finit par la grande, mais chez lui, devant toute sa famille et dans son club, parce que ça a été l'homme d'un seul club. J'étais content, mais je savais que derrière il nous restait deux matchs. Donc c'était plus pour ma famille, pour les tous les invités, qu'il y avait un peu d'émotion, mais je savais que c'était pas mon dernier match. C'était pas mon dernier match à La Rochelle.
Sur le coup, on est rentré au vestiaire. La première chose qu'on a voulu savoir, c'est qui on affrontait en demi-finale, quoi. Et on apprend qu'on reçoit Pau. Donc voilà, on n'est pas déçu parce qu'on est heureux de jouer la demi-finale à domicile. Mais on sent tout le monde un peu frustré, peut-être inconsciemment une petite crainte de rejouer les Palois. Contre Narbonne, non pas qu'on manque de respect ou qu'on n'aurait pas voulu jouer Narbonne, mais entre guillemets, il n'y a pas d'histoire avec Narbonne. Avec Pau, il était peut-être temps de clôturer le chapitre. Quand on est dans le vestiaire, la chose la plus importante, c'est qu'il faut remobiliser les joueurs et surtout basculer de suite sur l'objectif qui est le suivant, c'est-à-dire une demi-finale à la maison. Là, il ne faut pas se tromper dans le discours. Je pense qu'il faut d'abord surtout connaître les joueurs et connaître leur réaction. Et à partir de ce moment-là, dès qu'ils rentrent au vestiaire, on voit sur leur visage une certaine déception. Et là, il ne faut pas se tromper dans les mots, dans l'intonation et dans ce qu'on leur dit. Le rôle, c'est le même que le reste de l'année. C'est certainement main dans la main avec le prépa physique pour qu'on arrive avec des mecs plutôt frais. Parce que malgré tout, la fraîcheur, ça compte, surtout en fin de saison. C'est faire du préventif, essayer de soigner les détails et puis de glisser quelques conseils à certains joueurs, mais sans leur mettre de pression, parce qu'en fait, il y en a largement assez dans ces périodes-là. On a un peu parlé avec les coachs, on sait ce qu'ils aimeraient bien. Et il y a des gars comme Lohan qui sont blessés avant la fin, on savait que c'était terminé. On avait des mecs on savait qu'ils ne rentreraient pas, comme Gonza ou Jean-Phi, qui s'étaient blessés justement en vue de préparer ces phases finales. Et puis il y a des mecs comme Fortassin, des pièces importantes, qu'on a vraiment, vraiment beaucoup ménagé. Sachant qu'on l'a fait opérer à l'intersaison. Voilà, ça faisait quelques temps qu'on était en danger un petit peu. Mais bon, on avait rentré d'autres mecs par contre. On s'était fait plaisir à rentrer Julien Audi. On savait que s'il n'y avait pas de soucis supplémentaires, il pouvait postuler pour les phases finales, quoi. Avec moi, vous faites juste l'activation, juste l'échauffement et la mise à route. La muscu cet après-midi, il n'y aura qu'un seul groupe, ce sera une petite muscu. On aura deux crayons, mais il n'y aura rien d'autre lourd. C'est juste pour qu'on mette vraiment dans la meilleure condition, du mental et physique, pour attaquer ce match. Voilà, je vous laisse 2 minutes, passer un petit peu au sol, commencer à vous déverrouiller tranquillement. Il n'y a pas une gestion réelle programmée. Hein. La chose que j'ai essayé de faire depuis le début, c'est de connaître individuellement chaque joueur et de proposer quelque chose de plus efficace pour chacun d'entre eux. Donc forcément, on ne peut pas travailler avec Fortassin comme on travaille avec Winnie ou avec Gourdon comme tu travailles avec Cobus. Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, un peu l'âge, un peu leur niveau de départ, un peu leur faiblesse et leur point fort. Ça remet ça, on change de côté. Donc, en fonction du temps de jeu qu'ils avaient jusqu'aux phases finales, parce qu'il faut savoir que, surtout, en plus, une chose qui a rajouté encore plus de boulot pour moi, c'est ce match de Carcassonne à rattraper. Donc, même si on a fait tourner beaucoup à Carcassonne et les joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu, ils nous ont bien aidés, il faut savoir que sur les autres matchs, on n'a pas pu faire tourner. Donc, les choses qu'ils ont fait, les autres équipes. Il faut les rendre vigilants sur plein de choses. Donc rester concentré sur le travail qu'on a fait pendant toute l'année.
Si on pense dans une semaine avant une demi-finale, il faut remettre ou réinventer totalement le rugby et repartir de A à Z dans une semaine qui est forcément un peu courte, qui est forcément un peu avec une tension particulière, on se trompe. Donc tout notre travail, que ce soit la partie technique ou physique, c'est toujours faire des choix. Donc c'est d'essayer de faire les meilleurs choix possibles sur les contenus et les temps et les stratégies. Ça s'évite bien, pas le ballon au sol. Attends. Moi c'est pas à regarder, j'y suis pas, merde je tourne pas, là c'est bon. C'est stop, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui compte, les états d'âme, on les laisse de côté. Il y a tout le monde qui a un rôle à jouer, tous les mecs qui sont là, même les mecs qui sont blessés, ils sont là. Voilà, si vous voulez relativiser, regardez les mecs qui sont blessés, demandez à Arnaud Dorier ce que c'est d'être en galère, lui vous expliquera. Là ce qui compte maintenant c'est l'équipe, on se focalise sur ça, sur le match de dimanche. Vous y êtes, vous êtes sur le banc, vous êtes sur le banc, vous y êtes pas, vous contribuez quand même au truc. La vérité d'un week-end, moi je la connais pas, celle du week-end d'après. Je sais pas qui sera blessé, je sais pas qui reviendra de blessure, et ainsi de suite. Tous les matins quand j'arrive, il y a une nouvelle qui me tombe, je fais avec. Alors vous, je vous demande de faire avec aussi. C'est compris pour tout le monde. Nice, c'est ça la vitesse, bien. Le niveau top 14 pour les deux, c'est pas vraiment beaucoup différent. C'est juste, il faut pas, t'as pas le droit d'erreur. Souvent, dit que ce secteur-là, donc la touche était quand même déficiente et on avait des mauvais lancers, des mauvais timings, tout ça. On s'est jamais désunis. On a toujours essayé de le bosser le plus possible parce qu'on savait qu'on avait des lacunes là-dessus. Et c'est vrai qu'on s'est fait un petit peu conspuer tout au long de la saison là-dessus et on voit que contre Agen, on leur pique une chipée de ballon et que ça a plutôt très très bien fonctionné en demi et en finale. Oui on fait, dispo. On le met le plus loin possible, on va essayer de partir là puisqu'ils vont écrouler ici. D'accord ? C'est bon, on fait là. Avec les entraîneurs, c'était bien passé aussi parce que le message est toujours il est clair, il faut faire ça et si tu sors des cadres, c'est difficile à gagner des matchs. Sur une demi-finale, sur une finale, sur une demi, non. Vous pouvez pas me dire qu'on est fatigué, c'est impossible. C'est impossible. Chaque détail, un serrage, c'est ce qui nous fera enfoncer ce droitier qui mangera le gazon et qu'on pourra annoncer le double derrière et qu'on marquera. On
Regardez, les mecs de Mont-de-Marsan, vous n'êtes pas au début. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Faites gaffe, top. Ça, on a tendance à le faire. Les mecs sont bas, et dès qu'ils vont se plier, ils vont se relever. Vas-y, mets là. Là, c'est fini, ils sont revenus à leur hauteur. Ok, oui. Important de rester toujours, nous, comme ça. Pas se relever quand on touche. Kiki, là-bas, les gauchers, tout ça, pareil. Là, top. Le talon, là. Là, il y a tout qui est bon, là. Ok, regardez bien le talon. On va l'appuyer avec l'épaule droite et va le pousser vers le haut en même temps. Très court. Il va se relever. D'entrée, lui mettre une pression énorme. Donc, autant il descend, remet à l'impact, il est très haut. Remet du début. À l'impact, top. C'est très haut. Hein. C'est très haut et là, le dos comme ça. C'est un mec qu'il faut rentrer très court de suite et fermer avec le talon. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je me demande comment j'ai fait. Je l'ai vraiment eu dur parce que je commence à vraiment souffrir au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai commencé à souffrir. Je m'entraîne beaucoup moins. Je passe mon temps chez le kiné, chez les docteurs qui justement ont fait un super boulot avec moi. Tout est fait pour que je sois bien le week-end, quoi. Mais c'est dur à gérer parce que j'ai joué 29 matchs dans la saison. Les phases finales arrivent et j'ai qu'une peur, c'est de les louper. J'ai peur de me blesser, de ne pas être capable de jouer ces phases finales. Constamment en train de me tester, faire des essais pour voir si j'ai mal, ce que je ressens. Je m'entraîne quasiment plus à buter. Tout ce que je peux faire tourne autour d'être le mieux possible pour jouer les phases finales. Ce qui était intéressant, c'était le contenu. On a insisté sur le contenu. C'est vraiment cette animation offensive, ces opportunités de marquer qu'on n'avait pas. Donc c'était vraiment positif dans l'ensemble. Et puis préparer une demi-finale, la mobilisation était déjà toute présente. On a commencé par tester mon genou. On a vu que bon, bah, ça allait, strapper, etc. Ça pouvait tenir. Donc après, retour avec les copains. On commence déjà à y croire un peu plus pour pouvoir jouer. Et après, c'est sûr que de toute façon, même s'il n'y avait pas eu la blessure, je pense que pour préparer les matchs comme ça, tout le monde a augmenté son niveau de concentration, son niveau d'implication, je pense. Et il est clair qu'on a envie de les jouer, donc on donne le maximum pour pouvoir jouer ces matchs. Mais j'ai vraiment cru que je n'allais pas les jouer. Ouais. D'accord, vous avez compris, à chaque fois qu'on met une course droite pour jouer dans l'intervalle, on les mettra en difficulté. Si on commence à jouer en partant en travers, on va prendre des choux sur droite à chaque fois. Bonne animation et on va franchir cet espace. On va les calmer à chaque fois dans ces zones. Autour du 10, autour du 9, les mecs à hauteur, autour de la touche. C'est parfait à chaque fois dès qu'on les agresse directement dans les intervalles. Impatient d'y être, mais ouais, il faut que ça commence maintenant. Voilà, puisqu'on en a un peu marre d'attendre. Je pense que les palois aussi en ont marre d'attendre. Donc le mieux, c'est de commencer le plus rapidement possible.
J'ai une batterie de secours, ma voiture a été à compresseur. Ça va, tu veux, peut-être ? Je crois qu'on avait pris l'option d'être décontracté. Ça venait des joueurs, on sentait des joueurs conscients de ce qu'ils avaient à faire, mais très professionnels dans leur attitude et surtout pas de pression, trop de pression avant. Ne pas jouer le match avant le moment, quoi. Et j'ai adopté cette attitude-là. C'est pas du tout mon style, mais je me suis fait violence. Une touche, une mêlée, c'est ce qui nous fera gagner. Une touche, une mêlée. C'est lui qu'on peut. Chaque truc, ça. Tu prends, s'il faut, on annonce en interne, tu prends que tout le monde comprenne. Tu répètes pour tout le monde, tu répètes pour tout le monde. On répète 27 fois. Il n'y a pas un mec qui se met en touche, là, dans le gaz et qui ne connaisse pas la mousse. C'est impossible. C'est compris pour tout le monde. Une touche, une mêlée. Une touche, une mêlée. Je vous parle même pas de la mêlée qui nous a fait gagner toute sa vie. Si on en a une ici à 5 mètres, il faut qu'on les file là-bas dedans. Bien sûr, on a toujours peur de perdre, mais l'émotion grandit chaque année parce qu'on pourrait croire que l'habitude est dans. Je crois que tout le club grandit, les supporters, tous ceux qui aiment le stade, qui nous soutiennent. D'année en année, ils deviennent de plus en plus énormes et l'émotion va en fonction de tout ça. Et puis cette communion avec les joueurs, c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. Quand vous allez sortir, c'est feu de toutes parts. Winnie, d'accord ? Kiki, c'est feu de toutes parts. C'est de la violence, c'est de la violence, c'est de l'engagement. Rassi, Saz, Jaco, sors la matraque. Et matraque-moi des mecs. Qu'ils en prennent, Jeb. Qu'ils en prennent et qu'ils en prennent. Et mettez-y la tronche, hein. Aujourd'hui, si on fait les pourris, qu'on passera pas. Défoncez-les maintenant. De la violence et de la maîtrise. Et après on fait n'importe quoi, on se jette dessus. On leur met des choux dans les rues, dans les plaquages. On leur fait mal avec la règle. On peut les marquer comme ça. Mais on répond pas, on dit pas un mot. Ils nous branchent, on se replace. Pas un mot à l'arbitre, discipliné. Et on monte, on les agresse. Et on leur fait mal. Éclatez-vous, éclatez-les. Tenez un putain de plaisir les gars cet après-midi. Prenez-le votre plaisir. Il vous appartient, hein. Gros. Il va ? Non, c'est bon.
énorme ambiance à Marcel de Flandre. Marcel de Flandre qui n'avait plus connu de demi-finale d'accession à domicile depuis 2010 et qui s'apprête à trembler pour cette énorme affiche pour ces demi-finales d'accession. Nous avons presque tout connu avec ces deux équipes depuis trois saisons en demi-finale. Nous avons eu de la passion, du frisson, quelques nions aussi. Mais on attend surtout un grand moment d'émotion. On s'attend vraiment à vivre un grand match. C'est une demi-finale. Tout est réuni pour assister à un très très beau spectacle. L'arbitre de cette rencontre, il faut en parler, c'est Cédric Marchat. Il était déjà l'arbitre de cette fameuse demi-finale l'an passé. Il avait dû sortir trois cartons rouges. Il connaît donc le contexte très particulier entre ces deux formations. Bon pour vous, non ? Qui de La Rochelle ou de la section paloise va retrouver Agen dimanche prochain au stade Chaban-Delmas pour la finale d'accession en top 14. C'est parti avec un premier ballon à négocier pour Taniel Amoa et le premier jeu au pied du demi de mêlée tongien dans les bras de Kevin Gourdon. Ah, il franchit Bourdon, la passe Botia, l'accélération déjà du Fidjian qui va rentrer dans le 22 mètres. Ah, c'est la course de Botia pour le premier essai fantastique sur le premier ballon des Rochelais après seulement 30 secondes. Ah, on ne pouvait pas rêver de meilleur attaque, Olivier, sur ce jeu au pied. All of the time when I play, I have to expect that sometimes I can try, can win a try. Yeah. Maintenant. Allez, Van Vuren. Prise de balle autoritaire de Frank Jacob. Frank Jacob qui dispute son dernier match ici à Marcel de Flandre puisqu'il prendra sa retraite à l'issue de la saison. Lui qui a tout connu avec ce club, au club depuis 13 ans. Fortassin pour Thierry Lancet qui est passé, qui est passé encore une fois. Incroyable, les Palibotia qui va faire le deuxième essai phénoménal. Vous découvrez sans doute ce joueur. Il s'appelle les Palibotia et c'est la nouvelle attraction de ce championnat. Ah, c'est un surhomme. Before that, every job I do, I just give all what I have, knowledge and skills, and everything I got for rugby. So I made it. So never mind, I came for shortly, not for late. I start for just only six game or seven game. I know that I try to give all my best. Flexion. Lié. Jeu. Allez, nouvelle pénalité contre la mêlée de la section qui ne s'en sortira pas si elle ne trouve pas de solution dans ce secteur. Et d'ailleurs, Monsieur Marchat va sévir. Pour au moins 3 jours, j'ai pu pas dormir et des trucs comme ça. Parce que surtout on est à domicile hein, pour la première fois dans 3 ans et il y a beaucoup de pression. Jacques, les Palois sont en difficulté dans ce secteur. Fabien Fortassin va la tenter, 50 mètres face au poteau. Avec l'appui du vent, Fabien Fortassin, elle est très bien partie et elle va passer, première réussite. Pas peur, mais j'étais quand même nerveuse quoi. On peut perdre, on peut gagner, tu sais pas. Monsieur Marchand le sanctionne parce qu'il est allé plaquer Julien Maudit, on n'a pas le droit de prendre le relayeur, mais il aurait pu, dans mon highlight, enjamber ce ballon et ainsi mettre la pression. Il faut garder l'axe. Alors c'est Julien Audi. Hein. C'est Julien Audi qui va tenter cette pénalité face au poteau, largement dans ses cordes. Elle passe pour le demi de mêlée, sacré champion de France de Pro D2 l'an passé avec Oyonnax. Et La Rochelle se détache à nouveau, 25 à 13. Demi-finale, c'est toujours un peu stressant parce qu'il y a la, enfin, il y a la pression de recevoir, de se dire bon, on peut passer au travers. Et puis en plus, on est chez nous, donc on n'aura pas fait le maximum et puis on ne sera pas allé en finale. Donc on a. Il y avait cette pression-là qui était, enfin, qui est quand même concentrante. Ensuite, il y avait un adversaire en face qui était pas facile à aborder parce qu'on fait deux demi-finales là-bas des deux saisons précédentes et puis on les perd. Donc voilà, ce contexte-là, c'est pas facile. Donc du coup, quand ça se passe bien et qu'on gagne, après, c'est énorme. Quoi.
Ça passe, les Rochelais obligent maintenant les Palois à marquer deux fois pour revenir au score. 10 points d'avance, 28-18. On peut dire qu'on a été performant, après on était performant aussi derrière, avoir Leps qui a inscrit deux essais contre Pau, bah, voilà, il n'y a pas que nous. Quoi. C'est devant, ouais, y a Herriard qui s'est positionné en troisième ligne pour essayer de résister, mais comment vont-ils résister? Comment vont-ils pouvoir tenir? Ouais. Qui ont été dominés dans ce secteur déjà à 8 contre 8. Attention au Rochelais d'être patient. D'abord introduire et après faire cette double poussée, ne pas pousser avant, ne pas se faire sanctionner. Et le chrono qui avance hein, pendant ce temps-là, il ne reste plus que 8 minutes à disputer. La Rochelle bien partie pour rejoindre Agen en finale d'accession en top 14. Flexion. Attention, la démonstration de force. Elle avance, évidemment, elle avance. Et c'est la pénalité. Bruno Herriard qui est allé chercher le ballon dans les pieds de Kevin Gourdon. C'est l'essai qui assure vraisemblablement la qualification, la victoire de La Rochelle et la qualification pour la finale. Le stade Marcel de Flandre s'embrase. La Rochelle mène désormais 35-18. Il reste 7 minutes à jouer et 17 points de retard. On voit mal maintenant comment les Béarnais vont pouvoir renverser la situation après ce quatrième essai encaissé. C'est terminé. La Rochelle est en finale d'accession en top 14. La Rochelle s'impose 35-18 face à la section paloise et tient sa revanche après deux défaites au Hameau. Nous connaissons donc l'affiche de la finale. Elle aura lieu à Chavant à 15h dimanche prochain. Ce sera La Rochelle Pau. C'est magnifique, j'avais dit d'ailleurs, surtout pas de drapeau noir, on les voit pas. J'ai pas de mots pour dire ce que vous avez fait. Oh, c'est énorme, par contre, je suis désolé, mais ça va durer, on n'a rien gagné ce soir. Récupérez bien, parce que souvent ça se joue dans les 48 heures là. Faites gaffe, on a fait un truc monumental ici. C'est hors de question qu'on passe à côté là-bas à Bordeaux. Et c'est la performance mentale de toute une équipe sur 80 minutes, avec tous les joueurs à leur maximum, avec en termes de détermination, en termes de volonté et en termes surtout de plaisir de marquer l'adversaire. Je suis un peu un privilégié. Voilà, comme tu as dit, l'année d'avant j'avais été champion sans faire ces phases finales et ça n'a pas la même saveur. Voilà, déjà rien que la demi-finale donc à domicile c'était génial et extra. Donc après voilà, d'arriver en finale avec tout le public Rochelais qui est arrivé, c'est vrai que ça a une saveur particulière. Et bon, c'est tout ce que pour tout joueur de rugby, ces moments, voilà, ça crée quelque chose de fort entre nous pour le groupe. Et voilà, j'ai une petite préférence quand même pour ces moments, voilà, avec les phases finales. C'est vrai que ça a une saveur particulière. Là, on va les prendre. Par contre, tout ça demande de la précision.
qualité du jeu au pied, de la volonté défensive et la volonté d'être des shoots dessous. Si on le fait proprement, comme on l'a fait ce week-end et deux fois, on est efficace dessous chaque fois. Par contre, il faut le vouloir après. C'est monter dessous ou leur mettre des shoots. Hein. Qualité du jeu au pied, de l'intelligence, pour que tout le monde soit concerné par la même chose. Ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est l'objectif. Rideau, c'est de me consommer personne dans ces putains de rush. Personne. Et quand c'est bien, les gros accusent dans le sens très vite. Hein. La semaine de la finale est très borderline en termes de qualité d'entraînement. Elle n'est pas bonne du tout. Je gueule la semaine de la finale alors que normalement je ne dois pas gueuler. Les joueurs ne sont pas dedans, sont déjà au match. Et je crois que j'aurais pu leur filer rendez-vous samedi matin, prendre le bus et partir. Je pense que j'aurais pu le faire parce qu'ils étaient prêts. Ils n'avaient plus envie de venir au stade. Ils avaient envie qu'une chose, c'était de jouer à Agen surtout, de retrouver Agen. Donc voilà, à partir du moment où on part sur Bordeaux, à l'hôtel, tout se déroule en fait comme on l'imagine au mieux. Dès que j'avais l'occasion à prendre avec l'équipe première, je le prenais et je voulais montrer ce que j'avais en moi. Et c'est vrai qu'on n'y croit pas trop ou on n'y pense pas. Et c'est quand tu. En fait, dans les moments que tu fais une mise en place
de la finale ou mise en place de la demi-finale, c'est là où tu te rends compte ce que tu vas vivre et où tu vas jouer. Et c'est inoubliable, c'est énorme. Le fait que j'ai joué était super, c'était bien, même si c'était un remplaçant, c'était bien d'être sur le terrain. Et oui, c'était spécial, même peut-être un petit peu plus spécial avec tout ça, ce qui s'est passé avant. Oui. L'objectif, c'est de m'entraîner tranquillement, de se retrouver, de prendre possession de ce lieu qui va être particulier et avoir une idée déjà demain ce qui va nous attendre. Parce que demain, il n'y aura pas de surprise. Demain, c'est le match, point final. D'accord ? Il y aura l'émotion avant et beaucoup d'émotions après. Pendant. Il faut essayer de canaliser tout ça pour être performant le jour à l'heure du match. Allez, on y va. Mon vie, la bonne vie. On essaie de relativiser un peu l'événement, surtout la veille.
essayer de ne pas avoir de pression négative. Je pense qu'on essaie de penser à tout ce qu'on a accompli pour arriver là, avec le club, avec les amis avec qui j'ai joué, avec qui j'ai été formé au centre de formation. Et on essaie de profiter aussi du moment, je crois. Maximum 20 minutes de mise en place, presque en marchant. Donc, récupérer une barre de céréales, une banane, un peu d'eau. Sachant que retour de zone rouge, on ne passera jamais par 9 et gros, ce sera 9, 10 et gros. Dès qu'on arrive en zone rouge, on ne joue plus autour du 9, on joue après le 10. Des passes très courtes. C'est des box 10 sur les retours. C'est des box 10, c'est Fabien quasiment arrêté qui donne à des avants, avec un seul mec qui se propose, deux mecs au cul. Si on commence à s'écarter les uns des autres, c'est comme ça qu'il nous a émis les thèmes. Tout ce qu'on va faire, c'est des petites passes. Hein. On ne favorise pas leur défense inversée. Après, dès qu'on est mal avancé, tout de suite après Fabien. D'accord, des mecs dans le dos en plus 1 et les trois quarts extérieurs pour pénétrer. En plus 1 ou extérieur en pointe pour couper extérieur. D'accord. Mais dès qu'on arrive en bord de touche dans ces putains de 10 mètres, là c'est fini, on ressort par le 10. Hein. Sinon on va prendre. Winnie, tu prends? C'est bon? Allez. Il y a les très chasubles là pour les remplaçants. Maintenant c'est vous les gars. Là. Vous avez travaillé trop dur pour Payet. Un truc, pensez à tout, hein. Le choix des crampons, on ne tente pas. Hein. Les mecs qui glissent, qui traversent de 80 mètres et qui glissent, c'est un essai manqué. Pensez à tout, hein. Ne laissez rien au hasard. Chaque truc doit être important. Une annonce que tout le monde comprend, une mêlée à 5 mètres, une touche à 5 mètres. Chaque chose a une importance, chaque chose a une incidence sur ce putain de match. Hein. Un mec qui glisse, un mec qui ne communique pas, qui s'oublie en défense. Chaque mec qui... ça payera cash. Il n'y en a pas droit à l'erreur là, celui-là on va pas le rejouer. Ça, mettez-vous le dans la tronche. Le plan de jeu, vous vous rappelez, c'est clair, hein, d'accord. Tant qu'on n'est pas dans leurs 40, dans leurs 30 mètres, tout ce qu'on va faire chez nous, c'est du jeu au pied d'occupation, de pression, d'occupation, de pression constamment. On est obligé par ça pour éclater rapidement, monter les prendre en défense. Et une fois qu'on est chez eux, là on s'excite sur les ballons portés, sur les choses simples autour du 10, du 9, du jeu au pied de pression, et on s'excite chez eux. Chaque fois qu'on a leur main 2, mettez-vous dans la tête, il faut repartir avec 3 points minimum. Il faut marquer sur chaque temps fort. Dernière chose, ce qui est déterminant dans ces matchs, au final, c'est la discipline. Interdiction de leur donner des points. C'est clair et net. Hein. Interdiction de pénaliser l'équipe. On a pris 2 jaunes la semaine dernière, c'est impossible. Interdiction de faire des fautes. Toutes les fautes, c'est des ballons qui vont s'exciter, prendre des points et tout. Interdiction. La discipline, c'est de mettre au moins en finale. Mettez-vous ça dans le crâne. Hein. On ne pénalise pas l'équipe. Hein. Allez. C'est bon ou pas? Non. Mais là, il y a un petit peu. Tentative là. Ah. Bien joué. Bon.
On s'est tous mis à 100% pour le collectif, pour l'équipe, pour la ville. Et c'est ce qui a fait qu'on espère avoir donné un petit coup de pouce aux mecs qui étaient sur le terrain pour qu'ils aient réussi à gagner. Ce qu'il faut le plus, une plus sec, il la faut souvent. Le Saïma, bah, ouais, là je vais chercher. Il la faut trois fois, ouais. Le dernier match. Fixe sur moi, Giro, sort le 9, grâce, oui. Là, avec le 9, là il nous fixe sur moi. Là, je garde une aussi. Allez, on les fait plus. Là, il y a 4 heures. Ça vient là. Oui, ouais. Concernant la touche, ouais, on avait fait, je pense qu'on a eu un dernier mois vachement plus pointilleux et ça se voit sur cette vidéo, tout le monde est hyper concentré et c'est vrai qu'au final on pique pas mal de touches aux Agenais sur cette finale et sur la première mi-temps je pense que ça y joue vachement. Ouais. C'est vrai qu'après la deuxième mi-temps on a eu un peu un coup de moins bien et on a vu que ça suait, mais c'est vrai que bon c'est prenant parce que tout le monde était hyper concentré, on savait ce qu'on voulait faire et ça m'a pas choqué de faire un match comme ça en finale. Ouais, ça va, mais Giron devant. Je garde Giron. Et tu gardes Giron si tu as le choix. On savait qu'il ne fallait pas non plus mettre une pression trop grande pour passer à côté d'un tel événement. Donc je pense que tout le monde a fait son petit train-train comme d'habitude, on va dire, de préparation. C'est sûr que ça change, on n'était jamais allé à Chabannes pour certains, ce long couloir, tout l'engouement, le public, tout. Mais c'était tellement une journée merveilleuse, je pense qu'on voulait vivre chaque instant à fond et ça s'est passé comme on le voulait et tant mieux. Prenez-le ce moment, demain c'est le vôtre. C'est en totale autonomie, demain c'est le vôtre. Nous, on a tout fait avec Fab, avec Lilian, le staff, GG, Danix, tout. Nous, on a tout fait. On vous a encadré jusqu'au bout. Demain, c'est votre jour. La pression, elle est à avant. Demain, c'est que du bonus. Je vous ai dit la semaine dernière, on va rendre des gens heureux. Demain, vous avez un autre pouvoir, quand même. C'est changer le destin d'un club. Un club qui est quand même qui est centenaire. Winnie, demain, vous changez le destin d'un club. Tous, hein. Mettez-vous dans la tronche. L'impact que ça va avoir. Il y en a qui resteront, il y en a qui partiront, il y en a qui arrêteront, mais Jaco, ça restera, ça. Hein. Et on en parlera, et dans 10 ans, et dans 20 ans, et dans 3 ans, et dans 4 ans, et ainsi de suite, on aura toujours le même plaisir à se retrouver. Alors demain, c'est votre jour. Hein. Il n'y a personne qui peut vous le prendre demain. Avec ce qu'on a vu là, personne ne peut vous le prendre. Ou alors, il va falloir qu'ils vous tuent, les mecs. Ça, c'est autre chose. Hein. On fonctionnera différemment demain. Il y a des papiers qui sont là. Parce que demain, c'est votre jour. D'accord? Vous avez tiré un papier au sort, dedans, il y a un nom. Vous gardez bien le nom. C'est vous qui vous remettrez les maillots demain. Comme c'est votre journée demain. C'est vous qui allez vous remettre les maillots. C'est pareil. On se réunit ici avant de partir. Le maillot au mec qui est concerné sur le papier. Et c'est pas juste un bon match. Hein. J'aimerais qu'un ailier, que Cyrilli dise à Winnie ce qu'il attend de lui, si c'est lui qui a tiré son nom. J'aimerais qu'un centre dise à Kiki ce que tu attends de lui. J'aimerais que Rassi, si tu tires le numéro d'un 3/4, ce que tu attends de lui, et ainsi de suite. C'est pas juste un bon match que je veux. Profitez-en bien. C'est des moments dans une carrière, ça compte. Hein. Et ça reste. Hein. C'est bon pour tout le monde? Chacun vient prendre un papier. Vient prendre un papier. Si vous avez votre papier, vous le mettez. On changera après, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Ok? C'est bon? Passez une très bonne nuit, les gars. Allez, prenez chacun un papier. Sans dévoiler à qui c'est. Vous préparez un joli truc pour demain.
Si vous tirez votre norme, vous remettez, vous n'avez pas besoin de vous faire la maillot. On a la chance de pouvoir jouer au rugby, y a pas, on ne fait pas la guerre, on ne sauve pas des vies, je veux dire que c'est pas quelque chose de très très, très très important en soi, donc on ne devrait pas se mettre de la pression outre mesure par rapport à ça, parce que ça, c'est, voilà, on ne fait que du sport, en gros c'est ça quoi, c'est juste du rugby, donc juste en profiter, je savais qu'il y avait la famille dans les tribunes, donc c'est important. Hein. On peut sentir quand il y a un souci ou quand on peut essayer de voir le mec qui n'ose pas aller dire quelque chose et on fait un peu les intermédiaires. Ils le savent qu'on balance quelques infos et ils savent que ce qui ne doit pas transpirer est conservé. On est loyaux. Ça, si on fait comme Jordan, qu'on puisse la faire tout seul et se faire plaisir, regardez ce qui va arriver derrière. Sanction immédiate. Yeah. Je veux pas un mec qui fasse une mêlée tout seul. Pas un mec. C'est aujourd'hui, c'est ça qui va nous faire gagner, c'est la mêlée. On a un avantage, c'est qu'ils nous craignent. La dernière fois qu'ils nous ont joué, c'était pas la mêlée. Ils savent pas où ils mettent les clés. En plus, s'il pleut, ils le savent. Okay, on va jeter les ballons SP pour le faire mêler. Il faut les tuer là-dedans. C'est là qu'on va gagner le match. On en aura une à 5 mètres. Il faudra aller derrière la ligne. On en aura une sur la ligne des 22. Introduction à eux, c'est là qu'il faudra les prendre et marquer ses 3 points. On peut pas se passer la ligne aujourd'hui. On peut pas s'en passer. Comme on peut pas se passer la ligne, c'est là qu'on doit les matraquer. Dès qu'on va les attraper, Willy, dans un coin, Kiki, Racine, on les met là, on les descend en bas et on les garde 10 secondes. Jaco, d'accord? Oui, je m'en souviens, parce que je leur avais dit il y aura une mêlée à 5, ce sera 7 points, et il y aura une mêlée dans les 22, ce sera 3 points. Je sais pas, j'ai dû le sentir la veille, mais c'est pas question d'avoir senti, c'est question que je les connais, je sais que quand ils sont capables, je sais de quoi ils sont capables de bien faire, je sais ce qu'ils sont moi aussi capables de pas bien faire. Je pense que tout le groupe avait l'envie d'aller au bout. Et la précision, c'est un truc qu'il faut avoir, ça c'est sûr et certain, surtout dans une finale. Un ou deux ballons peuvent faire la différence finalement. Et je pense que c'est sur la précision où on a gagné la finale aussi. Et là, on récupère le ballon. Dès qu'on peut en avançant. Donc là, on a vu, hein, d'accord, c'est des pics ou des bob 10. Jouer avec de la vitesse. Les agresser, jouer avec de la vitesse. Vous allez voir, dans le sens, avec de la vitesse, et que ça va vite, on peut y aller. Hein. Par contre, voilà, porter, d'accord, je. Ok, là tu portes, Cyrilli, il y a Damien, il y a des solutions. À vous d'appeler, d'accord Cyrilli, Damien, si vous êtes placé, Arthur, à vous d'appeler Armoire. La logique était respectée par rapport à la production du terrain.
Ensuite, ce qui était un peu plus compliqué, c'était pour le banc de touche, où on avait plusieurs options. Et là, annoncer aux joueurs qui ne participeraient pas, qui a fait l'effort de la saison, c'est un moment un peu, ouais, un moment délicat. On va vous laisser commencer. Nous, on conclura avec Fabrice. Ça, c'est grave. À partir de là, il y a tout qui va aller. Chaque talon avait un truc différent pour eux. Et sur lui, j'ai vraiment. J'ai pas beaucoup réfléchir de ce qu'il faut, mais je pense mieux à qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur que lui. Et je pense que numéro 1 jusqu'au numéro 23, ils ont dit si aujourd'hui je suis meilleur que mon adversaire, on va gagner. Et vraiment, ça c'est bien marché. Ce soir, c'est le cadeau de Racine. Et après, on a un point commun, c'est qu'on a la recherche, on a toujours un peu plus tard. Là, on en a 80 minutes, on a presque rempli le truc maintenant pour finir. Et en face, c'est le numéro 2, c'est un Argicide. C'est un leader à Agen. Le nom de notre leader, c'est Racine Durel. Je pense qu'on va avoir que Racine Durel ce soir. Pendant la remise des maillots, chacun donc, chaque joueur devait tirer un joueur. Un joueur au pif pour lui remettre le maillot. Et on ne savait pas qui c'est qui nous avait tiré. Et pendant la remise des maillots, c'est Arthur qui m'a remis le maillot. Et c'est le Belge, Julien, qui a remis le maillot à Zeno. Comme donc si c'était, voilà. Bon, c'était les premiers signes, quoi. Quand je repense encore un peu à la finale, etc. C'est quand on sort du bus qu'on entend déjà tout le bruit que les supporters Rochelais faisaient, de journée noire un peu partout. C'est quelque chose qui, ouais, qui. On prend la pression, mais on se sent aussi porté. On se sent vraiment soutenu, porté. Et ça nous transcende, je pense. Je dirais que ça nous transcende. On arrive au vestiaire, je pense qu'on a déjà envie d'être changé, d'en découdre sur le terrain. Donc, c'est vraiment impressionnant et c'est quelque chose à vivre qui est assez exceptionnel. Mais ça sentit comme si on était chez nous avec les publics qu'on a eu là. C'était. Tu regardes à droite, à gauche, c'était jaune et noir. Et ça pour moi déjà, c'est chez nous. Hein. Une fierté partagée, j'ai senti des supporters. Hein. 20 000 quand même en jaune et noir, des supporters tellement fiers de leur club, fiers d'être, comme ils disent, fiers d'être Rochelais, mais fiers de leur club. Je crois que ça a été une communion générale extraordinaire. Avec Arthur, on s'était dit comment on voit le scénario de la finale, comment on se le voit. Et en fait, on s'était dit le scénario, ça va être comme quand on a gagné notre première finale à 7. On va les écraser en première mi-temps. Ils vont revenir en deuxième mi-temps, mais ça va le faire. Contre Agen, on les prend ici, il n'y a pas photo. On les prend chez eux, il n'y a pas photo non plus. Beaucoup disent qu'on allait, tous les spécialistes, hein, on dit non, mais La Rochelle en prendra 30 en finale. Voilà, chaque match est différent. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était de rejouer Agen, de retrouver Agen. Et au même titre que Pau, et de clôturer le chapitre sur ce match-là, le pack a été à la hauteur, j'ai envie de dire, de ses ambitions, de sa volonté. Gagner un match de rugby sans avoir un pack, entre guillemets, qui marche sur l'autre, c'est très aléatoire et on jette la pièce en l'air, on attend que ça retombe du bon côté. En faisant ça, ce n'est pas une victoire assurée, mais on se met déjà dans de bonnes dispositions. Et c'est ce qui s'est passé sur la finale. Entre La Rochelle et Agen, Agen en blanc, La Rochelle en noir, l'arbitre de la rencontre sera M. Sébastien Touté, assisté de Salem Attala et Adrien Descôte à la vidéo, parce qu'il y a vidéo, évidemment, sur cette finale de Pro D2. Ce sera Jean-Marie Pirabeau. Ce sont les Agenais
et Raphaël Lagarde qui vont donner le coup d'envoi de cette finale pour accéder en top 14, pour accompagner Lyon à l'étage supérieur la saison prochaine. À Jean La Rochelle, finale de l'accession pour le top 14. Finale de la Pro D2 avec le coup d'envoi donné par les Agenais et le ballon pris par les Rochelais par l'intermédiaire de Sazi. Fond d'alignement, le ballon pris par l'alignement d'Agen avec Valdès. Un ballon porté pour les Agenais qui avance pas vraiment, qui part un petit peu en trave. Qui va pouvoir se décaler et retrouver la marche avant dans un deuxième temps. Voilà qui est fait. On passe par le sol. Avantage en cours pour Agen. Et pénalité pour les Agenais. Première occasion pour Agen de prendre le score dans cette finale. Premier coup de pied, évidemment capital pour Agen et pour la garde qui passe entre les poteaux. 3-0 en faveur d'Agen après 3 minutes. Première mêlée du match. Avec l'introduction pour les Rochelais. Flexion. Lié. Voilà, hauteur. Lié. Et ce sera une pénalité en faveur de La Rochelle. Et elle sera accordée. Elle est passée. Ballon toujours pour les Rochelais, avec Bobo, première grosse occasion pour les Rochelais. Il y a un 4 contre 1, ça va aller au bout cette histoire, avec ce ballon donné à Damien Clerc pour le premier essai du match. Premier essai de cette finale, marqué par Damien Clerc en faveur de La Rochelle. Alors qu'il y a un accrochage à la but parce que Damien Clerc n'a pas dit ça, a pris un mauvais coup. Derrière, il y a un geste de nervosité de votre neuf blanc, il faut s'en passer. Donc il y aura une pénalité aux 50 mètres contre vous. La faute a lieu après l'essai. Voilà, donc bien arbitre. Il me semble qu'il y a eu un autre changement côté Rochelet sur le banc. Je vais vous le signaler. Kolachvili n'est pas là. Hein. Côté Rochelet, il y a également la présence. Alors, la transformation est passée, n'est pas passée, pardon, ça fait 8-3. Avantage en cours pour La Rochelle, puisque le preneur de balle a été pris en l'air. Attention à Gourdon, qui a trouvé un espace dans l'axe. Et on revient à la pénalité en faveur de La Rochelle. Ouais. C'est Margiro qui a pris Kift en l'air. La pénalité de Fabien Fortassin qui va passer et ça fait donc 11-3 pour La Rochelle. Encore, c'est trop fort. Voilà, et là maintenant vous ne bougez plus. Vous ne bougez plus. Rapprochez-vous, vous êtes trop loin. Qui a Flexion. Fait sortir l'épaule de Cabari qui était sous son talonneur. Jeu. Belle pression rochelaise. Pénalité en faveur de La Rochelle. Ah oui, alors les supporters jeunes ne comprennent pas, mais là, l'impact et la pression étaient rochelaises. Et le 1 blanc, Laurent Cabari s'est mis complètement en travers. Ah, regardez, complètement en travers avec l'aide de Jalin Argissi. Ils se mettent sous Antonio. Bien vu, monsieur Clouté. Décision qui ne plaît pas au banc à Genet. Ça ne plaît jamais à l'équipe qui est sanctionnée. Pourtant, on a bien vu sur les images. Et La Rochelle qui revient dans la moitié de terrain. Blanc, vous sortez votre. Hop là, un peu haut. C'est un ballon perdu par les Rochelais, finalement récupéré par miracle par Fortassin qui s'est un peu sacrifié. La charge de Jacob. Et on part dans le fermé avec Van Buren. Audi qui part au ras, qui a vu un petit espace, qui a franchi le premier rideau, repris sur la ligne des 22 mètres d'Agen. Avantage en cours en faveur de La Rochelle. Avantage de blanc. Ballon pris par Sazi, le relais des Rochelais. C'était Gourdon, pardon. Audi contré. Et on va donc revenir à la pénalité en faveur de La Rochelle. Et Nicolas Dupin-Bessa qui évidemment a l'œil affûté, hein, comme vous le savez. Me signale que Fabien Fortassin grimaçait déjà sur la pénalité du 11-3. Hein. Et là, c'est Julien Audi qui va tenter cette pénalité. Sans problème, 3 points de plus et ça fait 14-3 pour La Rochelle. 11 points d'avance pour les Rochelais
alors que l'on joue depuis 21 minutes. Je vous confirme, messieurs, juste l'information du kiné de La Rochelle. C'est un coup au-dessus du genou qui l'empêche de buter Fabien Fortassin. Mais à 5 mètres de la ligne d'Agen, mêlée introduction pour La Rochelle. Et encore une belle pression rochelaise. Et la mêlée à La Rochelle qui prend le dessus, avantage en cours. Il faut jouer, il faut qu'il joue. Ballon gardé dans les pieds de Gourdon et perdu dans un deuxième temps. Donc on revient à la pénalité en faveur de La Rochelle. Et il redemande de mêler les Rochelais. Ah oui, ils sont forts, regardez, hein, dans le sillage. De... Ça avance des deux côtés. Téléphonie au sol. Et là, il doit partir, hein, le 8 Rochelais. Rochelaise sur cette mêlée. Ouais, là c'est bien gardé par le 8 Rochelais. De toute façon, ils ne vont pas écarter le ballon, les Rochelais, je vous rassure. Sauf si un avantage. Avantage en cours. Et pénalité. Pénalité pour La Rochelle. Un jeu. On va aller chercher l'essai de pénalité côté Rochelais. Monsieur Coutet qui va sous les poteaux pour accorder un essai de pénalité en faveur de La Rochelle. Celui-là, il va faire très très mal à la tête des Agenais. Je pense que c'était la mêlée juste avant le mi-temps. Et j'ai regardé le mec en face et déjà il a dit non, on ne peut pas gagner. Bel effort hein, de Luigi Antonio et de ses partenaires. Après la transformation, on va repartir au vestiaire. Transformation réussie par Julien Oli. Et à l'issue des 40 premières minutes, La Rochelle a déjà un pied, trois orteils en top 14. La Rochelle mène de 18 points à l'issue de ce premier acte, 21 à 3. Le coup d'envoi de cette seconde période entre Agen et La Rochelle, 21 à 3 pour les Rochelais. Et pour cela, il faut être efficace dans les rucks et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Avec Bobo. Qui a récupéré ce ballon. Et c'est bien fait de la part de Gourdon qui va trouver du relais avec Cotonou pour le troisième essai de La Rochelle. Sûrement celui qui va faire définitivement basculer cette finale dès le début de la seconde période, après 1 minute 30 dans cette seconde période. Et après l'essai des Bobos dans le deuxième mi-temps, j'étais. On est là, on est en top 14. Ils étaient à 14 contre 14, hein, les deux équipes. La transformation est réussie par Julien Oli. Je pense que ça aurait été le match de ma vie où j'aurais eu le plus de regrets. C'était pas possible de perdre. Je m'imaginais pas perdre. Mais je t'avoue que bon, on n'a pas non plus lâché la caisse à outils par terre en disant c'est bon, c'est fini à la 50e. On savait très bien que les Agenais allaient être dangereux, que ça allait pas être un match à sens unique pendant 80 minutes. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, on les étouffe, que ce soit en conquête, dans le jeu, partout, on a vachement contré leur plan de jeu. On savait très efficace parce qu'on les avait pris deux fois 80 minutes et on avait pris deux leçons de rugby, je dirais. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont arrivés un peu trop sereins, ça y a peut-être joué aussi. Bobo le sprinter. Alors que Comus Grobler va rentrer. Franck Jacob. Donc c'était le dernier match. Le jeu au pied de Fortassin. Balès à la réception de ce ballon. Et l'interception. L'interception de Lille qui a mis un placage qui va trouver du soutien avec la foire et qui n'a pas pu donner. Les 22 mètres d'Agen avec Audi. Avantage en cours pour les Rochelais. Ballon qui sort avec Kif pour Fortassin. Le drop de Fabien Fortassin qui passe. C'est une démonstration de la part de La Rochelle dans cette finale. Francis qui va trouver la touche dans les 22 mètres de La Rochelle. Ballon. Grosse occasion la pénétrer pour les Agenais. Toujours pas d'en avant. Le sursaut d'orgueil des Agenais avec Nargissi. Vaquin stoppé tout de suite. Herbali. Lâchez 4 noirs. Ballon toujours pour les Agenais. Ratouni Yarawa.
qui peut libérer pour Nargissi, ça avance, on n'est plus qu'à un mètre de la ligne. Côté Agenais maintenant, au pied des poteaux Rochelais. Agen ! Agen qui conserve ce ballon. Marc Giraud qui essaie d'y aller tout seul, il n'y a pas moyen. Mais il conserve ce ballon. Toujours en faveur des Lot-et-Garonnais. Avec Joly. Nouveau point de fixation. Ballon qui va sortir pour Vallès. Vallès qui va écarter. Francis pour Mazar. Mazar, ouais, pour la mouille. La voici, la réaction des Agenais. Des Agenais qui marquent leur premier essai de ce match. Cabaret qui est ici dernier moment sous maillot Agenais puisqu'il rejoindra le Biarritz Olympique l'année prochaine. La transformation est réussie par Burton Francis. Agen revient à 21 points. Ah, il va sortir. Fabien Fortassin. Remplacé par Marie Val. Fabien Fortassin, le meilleur marqueur de la Pro D2 cette saison. Attendez. Fabien, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'espère que c'est mutuel. Mais c'est vrai que c'était quelque chose d'important de l'avoir vécu tous les deux. Et voilà, après, en plus, lui, il a fini blessé. C'est vrai que ça a été compliqué pour lui la fin, parce qu'il a beaucoup donné pendant la saison. Voilà, mais là, il est en train de se préparer. J'espère qu'on aura d'autres moments forts comme ça à partager là, sur cette saison qui arrive. Ça sort pour Francis. Francis, qui a pu jouer avec Lelic. Lelic qui est pris. Mazar qui relève ce ballon. Ballon toujours pour Agen, avec Nomo. Agen qui revient dans les 22 mètres. De la Rochelle avec Martin qui gagne quelques mètres encore. Agen qui revient, mettre la pression sur la défense rochelaise. Avec Tago Tago. Et il y a toujours du relais côté Agenais. Joli maintenant. On gagne quelques mètres. Herbali. On n'est plus qu'à 3 mètres à une dans le but des Rochelais. Avantage en cours pour Agen. Vallès qui va extraire ce ballon. Le petit coup de pied à suivre pour Lelic. Il va prendre le ballon, il va le deuxième essai. Non, il est refusé. Le deuxième essai pour Agen. Que va dire Monsieur Couté? Il y a essai. Je pense qu'il peut être accordé cet essai. Il y a essai. Pour le suspense, nous on est pour. Hein. Oui. On a folie. Oh, le match de fou. Regroupé pendant la transformation. La transformation est réussie, elle est importante aussi. Par Burton Francis, 31-17. Je me suis dit, on est dans la merde. Ils vont faire le plus grand comeback de tous les temps. Ils vont revenir, ils vont gagner, ils vont monter en top 14 comme ça. Et on va l'avoir mauvaise. On va revenir à la pénalité en faveur d'Agen. Il demande les points, le Stade Agenais. C'est joué rapidement par Vallès. Hop, Vallès qui a pu trouver Nargissi. Nargissi qui est pris, qui garde ce ballon, qui reste debout. Ballon toujours pour les Agenais. Et on ouvre avec Tago Tago qui tente un refus. Il est plaqué. Mais les Agenais conservent ce ballon. Relevé par Francis. On va te dire, oh, il va y aller en force. Troisième essai d'Agen. Marqué par Anthony Yarawa. Il en reste 8 minutes. Ben, sincèrement, quand je sors, il y a 31-10, je crois. Il doit rester demi-heure. Je pense qu'on a gagné, je pense que c'est fait. Je vois mal comment ils vont remonter ça. Et puis bon, on est sur le bord et on voit le premier essai, le deuxième essai. C'est dur parce qu'on est, plus acteur de rien du tout. On regarde. Mais on fait confiance aux collègues parce que bon, c'est pas possible. Pas au dernier match de la saison, en ayant autant d'avance, on ne peut pas lâcher à ce moment-là. Donc, la boule au ventre, mais malgré tout serein, parce que je me dis qu'il n'y a pas quand même, il n'y a pas de place pour la chance malgré tout dans le sport de haut niveau. Et on mérite de gagner la finale, donc on va tenir, on va la gagner. S'il la passe, Francis, Agen sera à un essai transformé du match nul et de la prolongation. 21 points d'écart à la 55e. C'est énorme. Rochelet, c'est que j'ai pas vu un joueur parler, resserrer ses joueurs. Et il la rate. Ouais, il passe à côté. Nargissi qui relève ce ballon. Le chrono qui continue de tourner, bien sûr. Ballon qui sort, Francis. Lelic pour Pelé Sassa, qui a pu donner un Tago Tago. Il n'y a pas d'espace pour l'ailier Fidjien.
plaqué, ballon toujours pour les Agenais, plus que 3 minutes. Attention à ce ballon récupéré par La Rochelle, le 16 qui va pouvoir le prendre, le marqué, c'est la victoire. La Rochelle est en top 14. Même si M. Couté va demander la vidéo, l'essai n'est pas accordé. Le match n'est pas fini. Ils vont rejoindre Montauban et Massy. La Rochelle va rejoindre le top 14 à l'issue de cette finale d'accession remportée face à Agen. Les toutes dernières secondes de ce match, le ballon maîtrisé par les Rochelais avec force une nouvelle fois. Vous entendez la sirène, le ballon est sorti par Julien Rolly. La Rochelle est en top 14, 3 ans après, grâce à cette victoire face à Agen, 31-22. On est tellement monté au cours de la deuxième mi-temps avec la peur d'une désillusion que c'était avant tout un gros soulagement. Bon, j'ai tapé le plus fort que je pouvais tellement que j'étais content. Après voilà, un moment inoubliable franchement. Je pense que c'est y a deux moments forts vraiment dans ma carrière et celui-là il en fait partie. C'est un moment fabuleux à la fin, c'est. On a un truc qui se passe en soi, c'est un soulagement. Et puis ce qui est énorme, c'est de les voir à eux surtout, et de se dire, putain, ils l'ont fait quoi. En l'occurrence là l'achèvement d'un projet de 3 ans avec un nouveau staff, avec un projet de club derrière où toutes les parties prenantes, toutes les forces vives que on ne voit pas à la télé, que on connaît quand on est directeur d'un club mais que le grand public ne connaît pas, toutes ces personnes qui se donnent corps et âme pour le club, et là je pense à tous ceux-là qui sont dans l'ombre et qui se voient vivre un grand moment de communion. C'est des bonheurs qui sont très courts parce qu'on pense tout de suite à la suite. Et c'est le début d'autres aventures et d'autres, je pourrais presque dire d'autres galères, mais c'est des moments magiques. Voilà, on est sur un nuage et on a vécu un moment fabuleux de là jusqu'au retour à La Rochelle. We're gonna make it.